Bonjour, je suis Mathieu Appert de dinguedephoto.com et aujourd'hui, je vous propose de développer nos photos chez Salle Digital, sur des tableaux photos. C'est un pur hasard, mais je profite encore une fois d'une offre sur Facebook de Salle Digital. C'était un bon d'achat de 50 euros pour des tableaux photos. Toujours pareil, un bon d'achat contre un avis sur les réseaux sociaux, ce que je suis en train de faire. Voilà, l'idée c'est justement de vous montrer un petit peu tout le processus de création des tableaux photos chez Salle Digital. C'est pas la première fois que je participe à une telle offre avec Salle Digital. La dernière fois c'était pour un livre photo, donc je vous invite à regarder probablement par là les vidéos précédentes, la création et le déballage avec mes premières impressions sur le livre photo. Voilà, je vais vous laisser un petit peu. Hein. Voilà. Donc cliquez si vous voulez, hein. Peut-être pas obligé. Mais après, ce serait bien. Ouais. Voilà, voilà. Bon, ben, on va peut-être y aller là, hein. On était où déjà? Ah oui, Salle Digital, c'est qui? Alors, Salle Digital, c'est un développeur en fait de photos, un imprimeur. Voilà, sur internet. Alors je crois qu'ils sont d'origine allemande, donc voilà leur site. Alors leur offre correspond à en gros ce qu'on trouve chez leurs concurrents, hein. On va déjà lancer le logiciel Salle Design qui permet justement de créer entre autres choses les livres photos, mais aussi les tableaux. Le logiciel est en téléchargement à peu près sur tous les onglets, hein, donc il faut utiliser leur logiciel. Voilà. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Les deux points de vue se défendent, bah, c'est pas la mer à boire. Il n'est pas très très gros. Hein, d'ailleurs. Donc bah, on va le lancer. Voilà. On arrive sur le logiciel. C'est une offre pour des tableaux photos. Donc, logiquement, on va faire des tableaux photos. On sélectionne. Alors, la du dit bon, c'est un produit, bah voilà, hein, comme ils le disent. La photo, votre photo est imprimée sur un support en alu, hein, une petite plaque, un dixième de millimètre, on va dire. Allez, hop. Donc, c'est imprimé sur une plaque d'alu. Ensuite, vous avez une petite plaque de plus ou moins grosse en fonction de l'imprimeur de PVC, donc bien dur, et après vous avez une plaque d'aluminium, donc ça vous fait un sandwich en fait qui a une très belle finition. Ensuite, ça c'est plutôt sympa, on a les différents formats avec les tarifs, donc ça permet de savoir où est-ce qu'on va aller. Et chose très très sympathique et suffisamment rare pour être noté, on a la possibilité de définir son propre format. Et ça, c'est très très rare. On a le choix des suspensions, donc moi je vais pas en prendre, mais voilà. Et chose intéressante, on peut avoir un aperçu sur le système, enfin sur le tableau, de à quoi ça ressemble. Donc ça c'est plutôt sympa. Paysage, enfin l'orientation paysage ou portrait, on peut le choisir, ça ne va pas changer grand chose. Et surtout, ça ne change pas le prix. Ça c'est très important. Donc on va créer notre tableau. Hein. Voilà. Alors on arrive dans le système de design. On peut naviguer d'ailleurs sur les différents disques durs, dossiers, etc. Pour mettre vos photos, il suffit de glisser, déposer. On peut faire en sorte que ça remplisse automatiquement l'ensemble de l'arrière-plan. Faut double-cliquer. Alors, on a la grosse croix directionnelle pour recadrer éventuellement. On peut zoomer dans notre photo si la résolution est correcte. On a une idée de la qualité de l'image. Donc on a une alerte si jamais la qualité n'est pas suffisante. On peut aussi, et là c'est plutôt sympathique parce que c'est aussi très rare, assembler plusieurs photos sur un même tableau. L'indication donc de qualité, le zoom des zooms. On a la possibilité de faire une rotation donc, soit par le centre, soit sur les côtés.
de la photo, donc ça c'est plutôt sympathique. Le fait de la tourner à 90 degrés d'un coup, de faire des miroirs horizontaux ou verticaux, ça c'est plutôt sympa, de renier l'image, voilà, de l'utiliser directement comme fond d'arrière-plan, on peut aussi la supprimer tout simplement. On peut aussi sauver à tout moment le projet, en l'occurrence là c'est un tableau photo. On peut aussi rajouter du texte, ça c'est plutôt sympa aussi, surtout sur les tableaux, c'est assez rare. Donc pour transférer notre commande, il suffit d'ajouter au panier en bas. Maintenant qu'on a fini notre tableau sur Alu, on va faire justement l'idée d'un tableau sur PVC. Toujours pareil, les différents formats, voilà. Hop, on insère notre image, toujours pareil, hein, donc là on peut recadrer correctement la photo. Alors on voit aussi qu'on a un petit bord rouge. Ce petit bord rouge, en fait, il se laisse une petite marge pour la découpe. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que ça permet justement d'être sûr d'avoir un élément particulier qui se trouve pile poil au bord. Ça, c'est plutôt sympa. L'ajouter au panier, voilà. Donc, il nous demande, enfin, le système nous demande de vérifier ce qu'on a déjà fait. Et j'arrive enfin au panier. Donc le panier, on a... ici, je crois que j'ai fait une faute. C'est pas grave, j'ai fait une faute. Eh ben oui, je suis mauvais en français. C'est tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit pouce vers le haut. Ça, c'est sympathique, hein, moi j'apprécie. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, hein, pour se faire connaître. Je vous dis... à bientôt pour d'autres photos.